Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant la période donc du 15 au 30 septembre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Pour la période du 15 au 30 septembre, quels sont les messages pour vous les Gémeaux? Hop. Vous avez les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Bon. Alors, on vous parle d'ancrage, on vous parle d'être vraiment dans l'instant présent, d'être, de revenir hein, un petit peu à tout ce qui vous semble, on va dire, essentiel, aux bases, à la simplicité des choses aussi. Ce que je ressens ici aussi au travers de ce message, c'est que pour certains, il va être temps peut-être de concrétiser ou de matérialiser ou peut-être de passer à l'action par rapport à une situation, hein, un projet. Une envie, un désir, quelque chose que vous souhaitez faire mais qui reste ou qui jusqu'à présent était resté dans le domaine imaginaire ou créatif, là on vous invite vraiment à passer à l'action, à concrétiser certaines choses. Pour les personnes qui se sentaient peut-être dans une phase instable hein, ces derniers temps, où vous avez été peut-être un peu déstabilisé par du stress, pas mal de préoccupations, des choses qui ont pu vous... voilà, où vous ressentez effectivement ce manque de concentration, ce manque d'ancrage, là, il serait bien de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus stable. Ok, donc on va voir. Ici, un message du tarot psychique. Donc pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la période du 15 au 30 septembre. Ok, on vous parle de force spirituelle. Il s'agit de la 9 de bâton. Cette carte-là, elle nous parle vraiment de la capacité qu'on a en nous à puiser dans nos réserves, dans le sens où la force spirituelle, lorsqu'on en arrive là, c'est que vraiment, il y a eu pas mal de choses qui ont, en tout cas, qui ont pu vous mettre dans une situation compliquée et difficile depuis un certain temps. Ici, on nous parle d'endurance, quelque part, avec cette carte-là. C'est-à-dire que... ce qui fait votre force ici dans cette situation ou dans cette démarche-là, c'est vraiment le côté spirituel, c'est la foi, c'est le fait de croire en quelque chose de plus grand, c'est le fait aussi d'être capable de se dire « Ok, j'ai confiance en la vie, je sais, hein, je sais qu'à un moment donné, les choses vont changer, vont bouger. » Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à y croire profondément. J'ai l'impression qu'on vous invite également à faire ce qu'il faut pour que les choses changent, pour que des situations s'améliorent. Ah. En d'autres decks, vous avez la 6 de coupe qui vous parle de souvenirs d'amour. On est sur l'émotionnel. On est sur quelque chose qui a pu être difficile. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur les souvenirs du passé. Sur une nostalgie, hein, par exemple, mais ça peut être aussi sur le fait de faire le deuil, finalement, de votre passé, de vos... Voilà, que les choses... peut-être que vous avez des souvenirs magnifiques où vous disiez, bah, peut-être que les choses étaient mieux avant. Or là, on vous invite à... Voilà, à lâcher un petit peu cette nostalgie, hein, à tourner une page pour pouvoir vous, voilà, vous relancer vers quelque chose de plus... voilà, de revenir dans l'instant présent, en fait, tout simplement. Force spirituelle, très bien. On va regarder ce que vous dit ici l'oracle de l'énergie. Oh, bon, d'accord. Elle a littéralement sauté. Donc, vous avez... ouais. C'est compliqué pour vous. Hein. Moi, ce que je sens ici, c'est que la carte partir inversée, c'est lorsqu'on a du mal à tourner le dos à une situation. C'est lorsqu'on a du mal à franchir... une étape importante où on doit effectivement laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi.
C'est difficile. Vous savez que c'est nécessaire, sauf que concrètement, c'est quand même difficile à passer à l'action. Donc là, on vous invite, hein, durant cette période, à être beaucoup plus dans l'action, juste, dans les choses que vous pouvez faire ici et maintenant, en rapport avec une situation que vous avez du mal à laisser derrière vous. Allez, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 30 septembre. Non, là, là, bon, c'est pas facile, hein. Vous avez la carte de l'orphelin qui parle ici de blessures d'abandon, de blessures de rejet, on se sent seul, voilà, hein. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous vous sentez seul. Vous avez du mal à quitter une situation. Peut-être par peur de vous retrouver seul d'ailleurs, mais ça peut être aussi, ça peut être le fait ici de se retrouver démuni, hein, d'une certaine façon. Alors pour certains, ça peut être sur le plan professionnel, hein, par exemple, où vous savez que c'est trop difficile, hein, peut-être ce que vous vivez actuellement et que il va être question de partir, sauf que vous n'avez peut-être pas encore le courage nécessaire pour pouvoir le faire, pour pouvoir prendre cette décision-là, par peur de se retrouver dans une situation de manque, par exemple, hein, où on se sent totalement démuni, où on se sent pas bien. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose ici qui, voilà, il va falloir réussir à se libérer d'un poids. Ça peut être des peurs, mais ça peut être surtout en rapport avec notre passé ou votre passé, en rapport avec effectivement ce que vous avez pu vivre. Alors peut-être que pour certains, vous avez pu vivre une séparation, vous vous êtes senti peut-être seul, peut-être que vous avez du mal à faire le deuil d'une personne ou d'une relation ici, et qui fait que ça vous empêche d'aller de l'avant. Encore une fois, ça vous bloque vos énergies et vous restez encore figé par cette émotion, on va dire, de déception, cette émotion de tristesse, finalement, hein, ce chagrin, quelque chose que vous avez du mal à surmonter ici. On vous invite à faire preuve de souplesse, hein. Durant cette période, ça va être intéressant de pouvoir justement prendre un peu de recul et savoir vraiment analyser votre situation avec une plus grande ouverture d'esprit. La carte de la flexibilité vous parle de ça, hein, de rester souple, de rester dans l'ouverture, de ne pas vous focaliser sur ce qui ne va pas, mais essayer vraiment d'accueillir ce qui peut être positif pour vous. Voilà. Donc la force spirituelle, c'est aussi votre capacité à gérer cette situation extrêmement difficile et douloureuse sur le plan émotionnel pour pouvoir vraiment vous en sortir de manière, voilà, avec une force renforcée, hein, quelque chose qui vous est, voilà, où vous allez pouvoir en tirer des leçons, et vous allez pouvoir vous sentir plus fort et plus forte qu'avant, hein, quelque part, pour pouvoir oser affronter l'avenir. Mais là, il y a vraiment le travail sur une blessure bien profonde et qui est pas simple pour vous, les Gémeaux, durant cette période. C'est pour ça qu'on vous invite à vous enraciner pour essayer de garder à l'esprit que l'instant présent, c'est la clé ou les clés sont dans ce que l'on peut faire dans l'instant présent. Si l'on a l'esprit trop préoccupé par des situations qui ont eu lieu par le passé, on ne peut pas être dans l'action concrète. Et pareil, si on angoisse par rapport au futur ou on est trop dans l'imaginaire et dans la projection, alors on ne peut pas non plus être très très constructif dans l'instant présent. Là, il va être vraiment important de vivre les choses au jour le jour aussi. Ne pas chercher à se projeter, ne pas chercher non plus à ressasser les choses, mais à être vraiment au jour le jour, ok? Ça va vous aider durant cette période, c'est ce que je ressens ici. Ok, on va regarder par rapport à votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, énergie d'action et activité du 15 au 30 septembre. Ok, le partage. Ok. On parle d'instabilité. Il y a une difficulté à être peut-être dans justement, dans cette flexibilité, dans cette ouverture d'esprit, dans le fait ici de réussir à trouver un bon équilibre dans ce que l'on souhaite partager, dans ce que l'on souhaite montrer à l'autre ou aux autres de façon générale. Si vous avez un projet avec quelqu'un, ici, il y a quelque chose qui n'est pas
qui n'est pas équilibré en fait, hein. Ça manque d'équilibre, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit dans la façon de partager les choses, peut-être que vous êtes un peu plus renfermé sur vous et que finalement, votre chagrin, vous n'en parlez pas, vous ne montrez rien, hein, c'est possible. Soit c'est l'autre personne qui se ferme en face de vous et qui fait qu'il y a quelque chose de difficile à gérer. En tout cas, on voit ici qu'il y a une difficulté à trouver une stabilité où vraiment des choses peuvent être équilibrées, quoi, tout simplement. Allez, on va regarder avec le tarot pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, énergie d'action et activité du 15 au 30 septembre. La 9 de bâton, c'est la même énergie que celle-ci. Donc vous faites preuve quand même de courage. Il y a quand même une forme de persévérance, hein, malgré une situation difficile et compliquée. C'est comme si quelque part vous... Allez, on lâche rien, on est fatigué, on en a marre de cette situation parce qu'émotionnellement c'est difficile, mais voilà, on tient bon, on tient le cap quelque part. Roi de coupe. Ok. Donc, ce que je peux percevoir ici, c'est que ce roi de coupe, c'est aussi votre capacité quelque part à analyser vos émotions, votre état émotionnel. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que vous retrouvez une forme de stabilité émotionnelle, ou en tout cas, vous êtes vraiment en chemin pour ça. Vous faites énormément d'efforts pour garder une stabilité émotionnelle, ou en tout cas, pour pouvoir retrouver cette stabilité-là. Voilà, 5 d'épée. Ouais, j'ai l'impression ici qu'on vous parle d'une épreuve, de quelque chose qui a pu être compliqué. La 5 d'épée nous parle d'un blocage ou d'un conflit, de quelque chose qui a été difficile à gérer, hein. Alors, si c'est sur le plan professionnel, pour certains, ça peut être le fait d'avoir été par exemple licencié, ou en tout cas de ne pas avoir été considéré. Il y a quelque chose ici qui fait que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui peut-être est tombé à l'eau, peut-être que pour certains vous avez subi un échec, par exemple. Mais ce qu'on vous dit ici, peu importe ce que vous ayez subi et qui a pu être très difficile, on sent que vous travaillez à garder émotionnellement une stabilité, hein. Vraiment, vous faites preuve de maturité et vous, justement, vous ne baissez pas les bras aussi facilement. C'est ce que je ressens ici. Ce qui est intéressant avec le pape ici, c'est qu'on vous parle d'enseignement. C'est-à-dire que quelque part, la vie ou le destin ou votre destinée a mis cette épreuve sur votre chemin pour pouvoir vous guider, pour que vous puissiez apprendre beaucoup de choses, hein, au travers d'une difficulté ici, pour pouvoir vous enrichir. Et c'est là que la force spirituelle arrive, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le sentiment de vous sentir encore plus fort qu'avant. Le sentiment de savoir que vous avez gagné d'ailleurs en maturité, ici émotionnelle, comme un roi de coupe, et que vous savez que vous pouvez affronter même les pires situations, et que vous allez toujours vous en sortir, même si parfois c'est très difficile. D'accord. Ce que je... Re... Alors, moi j'ai l'impression ici que finalement la leçon... L'enseignement, hein, qui vous est proposé ici, c'est la capacité de lâcher prise. La capacité de tourner une page par rapport à votre passé pour pouvoir vraiment vous lancer dans l'avenir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de... j'ai envie de dire de légèreté. Parce que la carte du fou, c'est vraiment les prises de risque. Dans le sens où... eh bien, je n'ai plus peur d'oser, je n'ai plus peur de me lancer dans certains projets, je n'ai plus peur du jugement des autres. On a un espèce de gros, gros lâcher-prise ici qui vient. Et là, on vous dit que justement, ce que vous avez pu traverser ou ce que vous êtes en train de traverser de difficile sur le plan du stress, des peurs, des émotions, hein, va vous permettre vraiment d'expérimenter le lâcher-prise à tous les niveaux. Donc c'est une grande étape pour vous, j'ai l'impression, les Gémeaux. Donc voyez comment ça peut résonner, hein, par rapport à, alors soit un projet professionnel où on vous invite vraiment à peut-être prendre votre envol, hein, tout simplement. Vous voyez qu'il y a un projet à deux qui n'a peut-être pas fonctionné et là il va être temps de reprendre son autonomie. Pour d'autres, ça peut être effectivement de réussir à trouver une forme d'équilibre en vous, hein, c'est-à-dire votre dualité intérieure, qu'elle soit vraiment en accord avec vous-même pour pouvoir surmonter cette expérience-là. Avec énormément d'enrichissement pour pouvoir travailler ce fameux lâcher prise et oser
tenter de nouvelles choses ou en tout cas oser partir à l'aventure, j'ai envie de dire. C'est un peu comme ça, le fou, hein, il part sans rien à l'aventure, il a rien prévu, il a rien. Il n'y a rien du tout. Voilà, on verra bien. Et voilà, ça c'est le total lâcher prise. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on vous donne ici, les Gémeaux. Pour la période du 10 au 30, du 15 au 30 septembre 2021. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Énergie. Ok. Opportunité. Bon, là on vous parle effectivement des opportunités ou en tout cas des ouvertures qui peuvent se faire sur le plan relationnel. À partir du moment où vous êtes dans une énergie positive, dans une bonne dynamique. Évidemment, si vous êtes replié sur vous-même et si vous êtes vraiment à ressasser le passé, vous ne pourrez pas prendre conscience qu'il y a des opportunités autour de vous, ou qu'il y a des possibilités soit de rencontres, soit d'échanges avec certaines personnes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 30 septembre. Bon, cavalier de bâton, il y a quand même une bonne dynamique. Hein. Ouais, soleil, très bien. Moi, j'ai l'impression que même si vous vivez quelque chose de très difficile, vous ne laissez rien paraître aux yeux des autres, hein, ou en tout cas dans votre cercle amical ou relationnel. Il y a une envie vraiment de soit de faire la fête ou d'être vraiment en joie, hein, de profiter de chaque instant. Voilà, c'est ce que je ressens ici, de profiter de chaque instant. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un quand même d'assez optimiste, d'assez dynamique, qui a souvent un esprit extrêmement positif et qui va toujours chercher à aller de l'avant. Hein. Voilà, et là c'est ce qui ressort, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous sentir dans un état d'esprit hyper positif. Alors peut-être effectivement que vos amis, ou en tout cas que dans votre relationnel, il y a des personnes ici qui vont vraiment vous mettre de bonne humeur, ou vous vraiment vous encourager, ou vraiment vous dynamiser dans le bon sens pour aller de l'avant. La 6 d'épée, c'est on a vécu une situation compliquée et difficile, mais là aujourd'hui on décide d'aller de l'avant avec plus de vraiment un côté, un état d'esprit extrêmement positif. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la 9 de coupe. Et la 9 de coupe vous parle de la réalisation d'un souhait. Elle parle des souhaits, elle vous parle de vos rêves, de vos ambitions, de ce à quoi vous aspirez sur le plan émotionnel. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Avec la carte du soleil, ça peut vous ramener un vrai bonheur. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une très très belle énergie qui va vous accompagner durant cette période, parce que ça va vous encourager à surmonter une difficulté en rapport avec votre passé. Hein. Donc il y a un avant et un après. Et durant cette période, vous allez vraiment travailler sur une blessure, ou en tout cas sur quelque chose qui a été difficile, pour pouvoir vraiment avancer et vous diriger dans la bonne direction. Retrouver le moral, la joie de vivre, vivre un petit peu au jour le jour, mais profiter de chaque instant. Dans la joie et la bonne humeur. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, vous n'allez pas vous laisser abattre. Et au plus vous allez entretenir cette énergie positive-là, au plus vous allez rayonner et au plus, effectivement, des personnes autour de vous vont pouvoir vous remarquer. Vous allez pouvoir briller quelque part aux yeux des autres. Hein. Et ça, je pense que ça fait partie aussi de vos rêves ou de vos souhaits, d'avoir une certaine forme de reconnaissance ici vis-à-vis de votre entourage. Donc, soyez dans un état d'esprit positif, en tout cas je pense que vous allez l'être, il n'y a pas de problème, pour pouvoir sortir effectivement d'une situation qui a été peut-être un peu difficile à gérer sur le plan émotionnel. Allez, on va regarder Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, un message du tarot des anges gardiens, donc du 15 au 30 septembre. Vous avez la 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, on voit bien qu'il est question de retrouver une forme d'équilibre. Là, il faut réfléchir de manière juste et équilibrée vis-à-vis d'une situation. Alors peut-être que vous traversez une situation difficile par rapport à l'argent, hein, vous avez fait de mauvais choix ou de mauvais investissements et du coup, aujourd'hui, bah, vous avez le sentiment d'avoir tout perdu. Et là, il va falloir travailler effectivement l'énergie du lâcher-prise pour pouvoir réussir à repartir à zéro d'une certaine façon pour rebâtir, reconstruire quelque chose. Soit on peut être aussi sur le fait d'avoir donné, c'est-à-dire d'avoir beaucoup donné à quelqu'un,
au niveau émotionnel par exemple, et de s'être sentie un petit peu trahie où la personne elle a tout pris, hein, si vous voulez, de vous et elle vous a laissé comme ça, tel un orphelin, quoi. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est comme s'il y a eu un sentiment d'échec profond qui vous a bloqué, qui vous a plombé un peu vos énergies. Et là, on retrouve quelque chose de positif, une belle énergie ici qui vous invite à aller de l'avant pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, tout simplement. Voilà, retrouver un équilibre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.